Alors que le contrat de Lionel Messi expire en juin prochain, avec le PSG, la direction parisienne s'active pour prolonger le contrat de l'Argentin, dont le FC Barcelone rêve encore. Et si le Parc des Princes profitait encore quelques années de plus de l'incroyable talent de Lionel Messi, recruté à l'été 2021 par le Paris Saint-Germain après plus de 20 ans au FC Barcelone, l'attaquant aux 7 ballons d'or avait globalement déçu la saison dernière. Bien loin de ses standards habituels, la Pulga était déterminée à rectifier le tir cette année. Difficile de dire qu'il n'a pas réussi sa mission. En 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l'Argentin a déjà fait trembler les filets à 9 reprises, tout en donnant 10 passes décisives à ses coéquipiers. Plus que les stars, Léo Messi rayonne sur le terrain et semble avoir retrouvé ses jambes du Barça. Il participe activement au début de saison quasi parfait de la troupe de Christophe Galtier, qui reste invaincu jusque-là. En fin de contrat en juin prochain, Messi reste ardemment courtisé par son club de toujours, où Xavi, son ancien partenaire chez les Blaugrana, rêve de le faire revenir pour l'avoir sous ses ordres. Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement, expliquait récemment le principal concerné sur son avenir. Après cette Coupe du Monde, nous verrons ce qui peut arriver au niveau de ma carrière. J'ai déjà la chance de pouvoir être à cette Coupe du Monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'an dernier. Le suspense reste entier, donc. Cela n'empêche pas le club de la capitale de commencer à bouger ses pions pour Lionel Messi. D'après nos confrères du Parisien, les prestations convaincantes de l'ancien capitaine du Barça ont amené les décideurs rouges et bleus à vouloir prolonger l'aventure de Messi à Paris. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, notamment, veulent voir poursuivre leur numéro 30 du côté du parc après cette saison, alors qu'ils disposent d'ailleurs d'une option pour faire une année supplémentaire en Ligue 1. Le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaifi s'est d'ailleurs penché personnellement sur ce dossier d'importance en interne depuis plusieurs semaines, précise le quotidien. Luis Campos répète ainsi, en coulisses, depuis plusieurs semaines, à Lionel Messi qu'il veut le voir continuer au PSG à l'issue de cette année 2022-2023. Les dirigeants franciliens réfléchissent à lui soumettre une nouvelle proposition de contrat d'un an ferme supplémentaire, avec, encore une fois, une autre en option. Ce qui lierait donc Messi au Paris SG, jusqu'en 2024, voire en 2025. Le Parisien ajoute toutefois que les champions de France en titre doivent prendre l'aspect financier en compte, à l'heure où les révélations du nouveau contrat de Kylian Mbappé font parler, et où ils ont enregistré une perte de 350 millions d'euros la saison dernière. L'optimisme règne, pour le moment, en interne à ce propos, alors que Lionel Messi touche 41 millions d'euros nets par saison à Paris. Reste surtout à convaincre la star de l'Albiceleste, qui semble en tout cas belle, et bien s'épanouir dans l'Hexagone.